Là, j'ai une surprise pour vous. Et j'ai mis 8 ans pour finir le projet qui se cache derrière cette feuille. Donc autant vous dire que je suis assez anxieux de vous présenter ça aujourd'hui. Mais c'est pas tout, j'ai aussi quelques petites annonces à vous faire, car la chaîne grandit. Cette vidéo est une vidéo spéciale, c'est une annonce. Car durant l'été, la chaîne a pas mal explosé et pour la première fois, je vais vous proposer autre chose que du contenu vidéo. Mais pas d'inquiétude, je vais aussi faire un point sur la chaîne à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout, il y en aura pour tout le monde. Et pour vous parler de ce fameux projet, eh bien il faut retourner 10 ans en arrière, en Indonésie. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais avant d'avoir été plongeur, j'étais aussi graphiste. Et lors de mon expatriation en Indonésie, j'ai survécu à une période grâce à ces illustrations. Et vous n'avez sûrement jamais vu mes dessins, car je n'ai jamais exploité mes illustrations. La raison principale étant la faible qualité d'impression en Indonésie qui ne me satisfaisait pas. Et même au-delà de cet aspect qualitatif, j'avais aussi très peur d'être jugé et d'échouer dans quelque chose d'aussi personnel qu'est de la création artistique, car je mettais tout mon cœur dans mes dessins. Mais ça, eh bien c'était avant de créer la chaîne YouTube Argonaut, et surtout avant de vous connaître. Car grâce à la communauté Discord qui m'a beaucoup encouragé, et aussi grâce à vous qui regardez mon travail, eh bien j'ai décidé de tenter l'aventure et de vous proposer une de mes œuvres à tirage limité pour 2023. J'ai sélectionné pour ce premier projet une de mes illustrations préférées, c'est le scaphandrier. J'utilise un style de dessin au trait particulièrement fin. C'est ma patte et j'adore tous ces petits détails que je peux disséminer dans mes dessins. Mais ce sont aussi ces détails qui posent problème lors de la reproduction et lors de l'impression de mes œuvres. Donc, durant tout l'été, je suis parti en quête d'un imprimeur en Bretagne afin d'atteindre la meilleure qualité possible pour votre future illustration. Le but de mon dessin était de vous offrir un rendu similaire à mon style qui se rapproche un peu de la sérigraphie. Je voulais que vous ayez des beaux contrastes, des beaux noirs et surtout un trait fin. Alors, après différents tests, nous avons sélectionné une impression offset avec un beau papier légèrement grainé qui ne boit pas l'encre afin de garder, comme je le souhaitais, des beaux noirs. Je voulais vraiment éviter l'aspect brillant de certaines impressions qui ont pour moi un rendu un peu cheap. Là, vous voyez, c'est une bouillie de pixels, c'est du numérique. Là, on est sur de la trame en offset. Bref, je vous parle de tout ça et j'en profite aussi pour remercier mon imprimeur qui a été très patient. Et du coup, je suis très heureux et un petit peu fier de vous présenter ce résultat. Alors vous pouvez trouver en description de cette vidéo un lien pour acquérir cette illustration. J'ai moi-même choisi mon imprimeur et tous les prestataires et les fournisseurs pour ce projet. Et ça marche, car pour les membres du Discord, j'ai déjà fait un lancement test en juillet et tout le monde a bien reçu son dessin et a été très satisfait. Et aujourd'hui, pour vous qui suivez la chaîne Argonaut Plongée, eh bien c'est le lancement officiel. Ce tirage, au format 30x40, est limité à 100 exemplaires numérotés et signés personnellement. Enfin, 100 moins ceux que j'ai déjà vendus sur Discord. Son prix sera de 75€, mais pour le lancement et pour toute commande passée avant dimanche minuit, vous aurez 15% de réduction avec le code SCAFANDRIER. L'argent gagné avec cette illustration va me permettre d'investir plus dans les documentaires, afin de faire plus de vidéos ambitieuses comme celle des 40 mètres d'apnée qui semble vous avoir plu. Donc en plus d'acquérir une œuvre unique et assez stylée, qui sera sûrement du plus bel effet dans votre salon ou dans votre bureau, eh bien vous permettez aussi à l'une des rares chaînes de plongée francophone de vivre et d'exister sur YouTube. Pour ma part, je suis très heureux d'être allé au bout de ce projet et d'avoir imprimé ce dessin. Cela m'a vraiment pris plusieurs années pour y arriver et pour oser passer ce cap. Et quelque part, eh bien chers viewers, c'est un peu grâce à vous. Alors, merci et j'espère que cette illustration vous plaira.
Mais attention, ne partez pas tout de suite car j'ai une autre annonce à vous faire dans cette vidéo. Nous allons normalement passer la barre des 50 000 abonnés pile un an après avoir passé la barre des 10 000 abonnés. Donc déjà, merci, vraiment, et bienvenue à tous les nouveaux. Vu que l'on tombe sur un chiffre rond, je voudrais vous proposer une nouvelle FAQ pour répondre éventuellement aux nouveaux abonnés et éventuellement aborder des thèmes qui ne sont pas sortis l'année dernière. J'en profiterai aussi pour vous parler de la direction que je prends professionnellement en France, car oui, il y a du changement et je suis en train de passer mes certifications françaises. C'est d'ailleurs en partie à cause de ces images que je n'ai pas été présent en août, j'étais en train de passer mon N4. Je vais d'ailleurs me fixer dans un centre de plongée dans le sud de la France pour que vous puissiez venir plonger avec moi et peut-être même faire quelques vidéos avec vous. Mais nous aborderons tout ça en temps voulu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui les choses avancent dans la bonne direction, le Discord se porte mieux que jamais et la chaîne aussi. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je ferai toute une petite sélection et j'y répondrai avec plaisir lors d'une vidéo spéciale 50 000 abonnés. Bref, je pense qu'on est bien parti dans quelques années pour avoir notre propre sous-marin. Donc moi, je vais retourner bosser sur la prochaine vidéo, et comme toujours, on se voit dans le bleu.